Hello, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Voilà, aujourd'hui je voudrais vous encore une fois transmettre le message de mes alliés, Iria et Ariel, qui sont avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous partager? Bah, tout simplement de vous dire qu'on a envie de vous demander de valoriser et de soutenir notre projet. Le projet, c'est des retours de ces bébés qui sont nés en captivité dans le milieu naturel, qui est Amazonie, en Brésil. Et on a envie de créer un sanctuaire là-bas, au Brésil, où tous ces oiseaux qui sont nés en captivité puissent revenir dans un milieu naturel. Du coup, on est dans la transition. On est seulement à l'apprentissage, parce que voilà, certaines qui n'ont même pas encore 1 an, comme Ariel. Il y a un tout petit peu plus qu'un an. On a besoin aussi beaucoup de choses à apprendre, notamment fabriquer l'immunité et apprendre à vivre dans la nature, faire des vols libres, reconnaître les plantes qui sont comestibles et qu'on peut manger dans la nature. Oui, mon chéri. Tu dis que tu le sais déjà? Oui, je te fais confiance. Et Ariel aussi, il a hâte de voler et apprendre à être dans la nature, dans cet nouvel espace. Du coup, je voudrais vous partager, vous inviter à vous joindre à notre projet, qui est de créer un sort de centre provisoire pour accueillir les oiseaux, comme des perroquets, haras, etc., pour leur apprendre le vol libre, les apprendre à vivre dans la nature, être autonomes. Et ensuite de les ramener dans leur milieu naturel qui est l'Amazonie, Brésil, dans un sanctuaire pour leur permettre à s'adapter à leur milieu naturel. Et donc dans cette volière que vous avez vue, on a besoin de vous, votre présence, vos mains, vos investissements, si cette cause vous touche le cœur et que vous aussi vous trouvez que la place des oiseaux exotique, c'est mieux dans la nature et créer la mode de retour de ces oiseaux dans la nature, dans leur lieu naturel. Alors vous êtes tous les bienvenus à vous joindre à nous. Voyez cet énorme terrain de tennis qui fait 25 mètres sur 27 mètres, je crois. Alors ici, ce sera une énorme volière pour que les perroquets, les oiseaux, ils apprennent le vol libre en toute sécurité. Je suis très heureuse d'œuvrer dans ce projet du mandala et voilà, de cette magie arc-en-ciel. Et voilà, heureuse de découvrir le lieu aussi où les oiseaux vont arriver, qui se trouve derrière vous. Donc il y a beaucoup de travail, donc si vous voulez venir nous aider, faire des dons, venir mettre les mains dans la terre, apprendre plein de choses sur les plantes, sur les oiseaux, sur la nature, et que vous avez envie de vous engager pour le vivant, ben, venez nous voir. Et voilà, amusons-nous ensemble. Ah oh. Merci, merci à Voilà un nouveau projet, cette magnifique œuvre vivante avec la nature, en co-création avec la nature. Donc, comme vous voyez bien, ici, on a tracé des lignes pour faire cette magnifique mandala arc-en-ciel avec les fleurs et des légumes mélangés ensemble par les couleurs, par la forme du plus grand, plus petit, en parfaite harmonie et cohabitation. Donc si ce projet vous tient à cœur, vous êtes tous les bienvenus à continuer à co-créer avec nous, ici, en Belgique, à Jodogne, pour cette magnifique et géante mandala arc-en-ciel. Qu'est-ce que ça te procure comme lieu? du bien-être, de la sérénité. Et qu'est-ce que tu as envie de dire aux autres par rapport à le projet que... Venez, Ben voilà. venez aider.